Iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik Chrome-members duel spelen tegen Tucker. We gaan nu duel spelen en we gaan een trofee winnen. We gaan nu de auto pakken voor de rest. Faut que je te dise, Hiro, j'aime pas trop ce qui se passe. Les relations entre moi et ton pilote sont, comment dire, un peu tendues. La faute à qui, hein? De mon point de vue, tu penses qu'à ta gueule depuis qu'on est associés. Alors si on en est arrivé là, c'est de ta faute. On s'en fiche de qui est coupable. Il nous faut une solution. Normalement, quand un pilote me gonfle, je le vire. Mais ton pote, il est un peu trop populaire. Voilà ce que je propose. Une course, un contre un, pour régler nos comptes. Et si je perds, je me casse. Mais si je gagne... Tu sais quoi? D'accord. Let's go. On va retrouver des morceaux de toi partout sur le circuit. Tu crois pouvoir te passer de moi? Bah tu te trompes. Bah dis donc, tu tiens le coup plutôt pas mal. Franchement, je pourrais te dépasser les yeux fermés. Je t'avais dit que tu pourrais pas me battre. Tu crois que tu peux me dépasser et me larguer comme ça? T'as rêvé, mon pote. Je
encore mon... Hey, mais il s'est passé quoi là? On avait un deal, Wade. Tu perds, tu dégages. T'as plus qu'à respecter ta part du marché. Ah non, pas question. Même pas en rêve. Et c'est quoi ce deal? Y'a quelqu'un qui sait de quoi il parle? Oui, moi. Et puis je suis pas toute seule aussi. Ferme-la, espèce de... Vous avez rien entendu? Essaie pas de te défiler, Wade. Tout le monde t'a entendu accepter le pari. Tu vas quand même pas oublier ta promesse? Vous savez quoi? Vous avez raison. Je me casse. Mais vous avez pas fini d'entendre parler de moi. C'est pas les routes qui manquent dans ce pays. Bon. Bah, il reste plus qu'un point à régler. En battant Wade, t'as eu assez de points. Mais tu les as eus en battant Wade. Si tu veux le titre de champion, va falloir me battre moi. Détends-toi, Tuck, on n'a rien contre toi. Et j'ai rien contre vous. Mais il faut bien qu'il y ait un champion. Alors on va faire une dernière course, face à face, pour voir qui est le meilleur en off-road. Quand vous serez prêts, bien sûr. Allez, on va voir qui est le vrai champion. Voyons ce que tu penses de ça. Bravo! Big up à toi, c'est toi le champion. Et tu nous as débarrassé de Wade en plus. Coup double.
Et pour la suite, il va y avoir un paquet de pilotes à la recherche de conseils maintenant. Qui c'est qui va leur donner ? Eh ben, personne m'a demandé mon avis, mais je crois que je l'ai le candidat idéal. C'est toi, Tuck. Qui ? Moi ? Non, je pense pas pouvoir faire ça. Pourquoi ? Tu connais les pilotes, tu connais le terrain, qui pourrait faire ça mieux ? Je sais pas. Bon, ok, je vais faire mon possible. Au moins jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Mais t'inquiète, je serai... Bah, tu nous manquerais trop sinon. Tu sais, on fait pas ça pour l'argent. Et encore moins pour être connu. On a déjà assez de chance de pouvoir faire ce qu'on aime tous les jours. Ah, si tu m'avais dit il y a des années que j'allais pouvoir gagner ma vie avec ça, je t'aurais sûrement dit que t'étais cinglé. Et pourtant... Alors ok, on la gagne sûrement pas aussi bien que d'autres. Mais regarde autour de toi. Il y a plein de façons d'être riche. Eh ben dis donc, on dirait que tu t'es fait un nom dans le monde de l'off-road. Il te reste plus beaucoup de montagnes à gravir. Chapeau. Oh, c'est bon.
dans mon cas, quand on l'arrête, je donc me donner 3. Et on se fait des vidéos of Marco en exil pour une décrire. D'accord.